Toujours en santé, 14 bénévoles de l'église Les Sons de la Trompette se sont rendus hier au Centre national de santé mentale à Mélène. L'objectif de cette descente, la prise en charge sur le plan esthétique des pensionnaires de cet hôpital. Une action devenue pérenne depuis 5 ans déjà. Les explications avec Jean-Raoul Mbadinga et Gérard Magnagna. Obion et l'église Les Sons de Trompette au chevet des malades mentaux de Mélène. Ce sont 14 bénévoles qui ont œuvré à démontrer non seulement que nous sommes tous des malades qui s'ignorent, mais avant tout que nous naissons égaux devant Dieu. En cette journée citoyenne, cette œuvre de charité s'imposait comme un devoir. Il était extrêmement important pour moi de venir les encourager, évaluer les nouveaux besoins, afin de lancer encore une fois l'appel à la communauté de continuer à manifester de l'amour envers ces personnes. Et comme la venue du Seigneur est proche, l'accueillir purifié dans des lieux purifiés, l'Église a fait. Tondre les cheveux, tailler les ongles, nettoyer les locaux et offrir le repas, l'action fortement appréciée. C'est un baume au cœur pour nos pensionnaires, qui certains souvent sont abandonnés. Et le fait qu'ils aient autour d'eux des personnes qui s'occupent d'eux, qui sont là pour les accompagner dans la suite de leur guérison, c'est vraiment quelque chose d'important. Au nom de l'Église, le geste renouvelé résonne comme les sons des trompettes pour soutenir la volonté de l'État de s'occuper de ses citoyens en proie aux difficultés de santé. Veillez et priez pour annoncer la bonne nouvelle, témoigner de Christ dans toutes les nations, partout où je vous envoie par mon Esprit Saint. Le Seigneur arrive bientôt. Dimanche, le culte se déroulera en souvenir d'un appel du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai.